Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Il s'agit de la dernière, aujourd'hui, il s'agit de la dernière chronique de Monsieur Green sur Liberté FM. Après 2 années à vous avoir fait voyager à travers notre planète, mais également à travers la population humaine, pour nous émerveiller ou bien encore nous alerter sur les changements globaux qui se profilent, Monsieur Green part en retraite et rejoint son coin de nature. Au départ, je n'étais qu'une cellule, 2 cellules, 4 cellules. De division en division, je suis apparu. Du nourrisson à ma première jeunesse, j'ai toujours eu une conscience accrue de mon environnement visuel et sonore et de tout ce qui était extérieur à moi. À 7 ans déjà, je militais pour la défense des animaux à fourrure qui étaient massacrés par l'industrie de la mode. Cette émotivité, pour le vivant, est repérable chez l'ensemble des enfants et disparaît progressivement au fil de notre éducation, car plus notre individualité s'affirme, plus les murs qui nous séparent de l'autre s'épaississent. Notre évolution individuelle basée sur notre éducation familiale mais également culturelle nous guide progressivement vers le modèle en place du lieu où nous habitons. Pour nous ici, il s'agit de celui du travail pour la réalisation de soi à travers le consumérisme désigné comme summum du bonheur, basé sur le capital et le PIB. Aussi, comme chacun d'entre nous, j'ai longtemps construit ma vie pour ma vie, en effaçant toute complexité et en n'y voyant que la simplicité de plus d'argent égale plus de bonheur. Et je pouvais y croire. Les années 80 et 90 étaient encore prospères au niveau économique et permettaient à chacun de jouir d'un confort sans cesse renouvelé. Puis un jour, j'ai été assailli par une perte de sens majeure dans ce que je réalisais au quotidien. Mon enfance cachée derrière mes désirs individuels ressurgissait. Derrière la simplicité d'une vie organisée autour de mon bien-être matériel, la complexité de mon mode de vie se faisait ressentir défonçant progressivement la porte de toutes mes croyances. Consommer tel que je le faisais n'arrivait plus à combler ma part de désir toujours renouvelé par la société marketing et de la simplicité d'une vie suggérée comme modèle, je suis passé à la complexité salvatrice, celle qui vous libère, celle de la vie. Je vous explique. Notre perception du monde se résume en 2 mots. Simplicité versus complexité et tout s'est dégradé. Commençons par les définitions. La simplicité est l'opposé de la complexité. Elle désigne souvent la beauté, la pureté, la clarté ou encore la spontanéité et définit l'absence de réflexion autour de son existence. Il y a une idée d'état final, d'extase dans la simplicité. Les choses simples sont beaucoup plus faciles à expliquer et à comprendre que les choses compliquées. Pour la complexité, nous pouvons la définir par l'élaboration des structures. Par exemple, prenons le système planétaire qui répond à la loi universelle de la gravitation et dont émerge une structure homogène. C'est une structure simple. Une structure compliquée serait peut-être l'élaboration d'une maison, par exemple. De nombreuses parties sont en interaction et agencées selon un plan préconçu qui est connu. Malgré les complications, le plan aide à la réalisation. Eh bien, la complexité se situe à l'endroit même où il n'y a pas de plan et où la spontanéité des interactions se met en place sans pouvoir réellement prédire de quelle manière elles se forment, comme par exemple dans la nature avec les fourmis et la construction de leurs fourmilières. Voilà la complexité,
une série d'interactions imprévisibles et permettant la croissance de la vie. J'ajouterai à ces définitions que derrière chaque simplicité se cache une complexité insoupçonnée à nos yeux de novices. Derrière la plante qui pousse se cache une complexité physique et chimique. Derrière chaque oiseau qui revient au printemps se cache dans le même temps une nuée de papillons qui voit le jour à la période propice de nidification des volatiles. La beauté que nous observons chaque jour dans les paysages et dans l'ensemble du vivant est issue de mécanismes complexes, installés dans le temps, souvent dans un temps très long. D'une simple bactérie en milieu aquatique pour début de la vie, au nombre d'espèces actuelles existantes, la complexité s'est installée, permettant la diversité. Cette diversité, ou même biodiversité, est la garante de la santé de notre planète et de la propagation de la vie. Par sa détérioration, nous interrompons de nombreuses interactions complexes directement reliées au futur de l'ensemble du vivant. Car si nous pouvons dire une chose sur la nature, c'est qu'elle ne supporte pas la simplicité. Voilà pourquoi elle ne supporte pas non plus la simplicité des monocultures à perte de vue, qui dégrade sa complexité jusqu'à anéantissement de toute vie. Un autre exemple est de voir un humain s'aligner sur un même modèle de développement qui tue une fois de plus la complexité des peuples autochtones ou tout simplement les cultures humaines en général. Quand vous ouvrez vos yeux sur le monde avec cette conscience de la complexité qu'il nous faut avoir pour retrouver notre place d'humain sur une même planète, alors vous vous situez dans une approche de vérité qui vous inclut dans la globalité de la vie dont nous sommes tous interdépendants. La simplicité nous fait oublier à quel point notre individualité dépend de l'autre. Sans le miroir que représente l'autre, je ne peux réellement me connaître. Mais c'est également dans les différences et dans la diversité que représente l'autre que je peux m'identifier et m'améliorer. Si demain nous étions chacun les mêmes, si demain nous pensions tous la même chose, si demain un seul animal et végétal ne restait pour nous sustenter, que resterait-il de notre humanité? Rien. Le vide, le néant. Alors que les espèces animales et végétales continuent de s'éteindre, nous nous rendons compte que nous ne connaissons que très peu de choses de ces deux mondes, que nous n'avons pas encore identifié toute la faune et la flore et que celle-ci disparaît sous nos yeux. Notre vision simpliste du bonheur joue un rôle important dans l'accentuation des effondrements en cours. C'est comme si nous n'arrivions plus à construire sur un temps long, trop complexe, et que nous vivions nos émotions au jour le jour, chacun dans nos bulles respectives. Cette paresse morale et physique, faite de simplicité, nous conduit à la catastrophe. Si la complexité du monde n'est pas le filtre de perception, les temps qui arrivent vont nous confronter à nous-mêmes et aux autres. Les crises sont toujours accompagnées d'individualisme, de simplification de la pensée, pour mieux laisser surgir notre émotivité et notre colère. Crise climatique, crise sanitaire, crise économique, crise sociale, crise planétaire. Cet état de fait doit bien évidemment nous aider à élever notre pensée vers la complexité et agir en tant qu'humain pour la préservation de notre espèce avec toutes les caractéristiques d'empathie qui nous caractérisent. Alors ouvrons nos yeux à la complexité et prenons du recul. Merci à tous pour ces 2 années de radio. Vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques et plus sur la page YouTube de Monsieur Green. Excellente suite pour chacun et chacune d'entre vous. À très bientôt. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi, Green, oui. Green, comment? Oh, super green! Aussi green que ça peut être! Green, 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 green,